Le développement de tout enfant repose sur le langage, la motricité, l'affectivité et les relations sociales auxquelles l'abus des écrans peut constituer une entrave. Face à cette situation, l'Organisation mondiale de la santé déconseille l'accès aux écrans, qu'il s'agisse de la télévision, des tablettes ou encore des téléphones portables, aux enfants de moins de 3 ans. L'OMS recommande par ailleurs aux parents de limiter l'accès à ces outils à 1 heure par jour afin de minimiser les nombreux risques auxquels sont exposés les enfants accros aux écrans. Et ça pourrait provoquer chez lui de l'anxiété ou certaines formes de dépression. Et également sur le plan physique, il n'est pas recommandé que les postures que les enfants et les jeunes adolescents adoptent quand ils sont en train d'utiliser ces outils ou ces instruments ne sont pas forcément bons pour leur développement du point de vue physique. Il y a aussi la perturbation du sommeil. Et vous convenez avec moi que lorsque vous avez un sommeil perturbé pour un enfant qui est en période de croissance ou en période de maturation, et cela pose un problème également pour son développement et pour sa santé. Si psychologues et pédopsychiatres s'accordent à réfuter l'appartenance de l'autisme à la catégorie des maux résultant de l'usage abusif de l'écran chez les tout-petits, ils estiment toutefois qu'il pourrait être favorable à la maladie. L'exposition et pendant longtemps devant les chaînes et devant les tablettes ou les écrans déclenchait chez eux et certains symptômes du spectre autistique. Et c'est un constat à faire, mais a priori, on ne pourrait pas dire que ces tablettes ou ces écrans sont à la base de l'autisme. Il n'y a pas un rapport direct. L'autisme, c'est un trouble du développement qui est caractérisé par des anomalies au niveau du comportement, au niveau de la communication, au niveau de la socialisation. Il y a certains symptômes qui peuvent se manifester quand l'enfant est accro aux écrans qui ressemblent à des symptômes de l'autisme. C'est un enfant qui reste isolé, qui ne s'intéresse pas aux autres enfants, il ignore son entourage, il est dans son monde. Au niveau de la communication, il peut ne pas y avoir de la communication verbale. La communication non-verbale aussi peut ne pas exister, c'est-à-dire faire les gestes, coucou, bravo, au revoir. Et c'est un enfant qui ne va pas répondre à l'appel de son prénom. Des fois, on a l'impression qu'il est sourd, on a parfois l'impression qu'il entend, d'autres fois, on a l'impression qu'il n'entend pas. Et au niveau du comportement, le comportement est restreint, les intérêts aussi sont restreints. Il ne s'intéresse qu'à de choses, un répertoire réduit de choses. Il peut être attaché à un objet en particulier ou à des façons de faire les choses de façon ritualisée. Des études révèlent que l'usage prolongé des téléphones portables, télé ou encore tablettes pourrait aboutir à une forme de dépendance. D'aucuns estiment d'ailleurs que le phénomène pourrait d'ici à quelques années constituer l'un des facteurs de dépendance les plus élevés, passant devant l'alcool et d'autres substances psychoactives.